Bonjour Sandy, dites, en ce 25 novembre, j'aurais aimé savoir si vous aviez un avis sur... L'album de Carice. Ah non, mais il est charmé. Ah ouais, tu te ouf. Ah oui, super, non, sur le 25 novembre, c'est la journée de la violence faite aux femmes aujourd'hui, et vous en pensez quoi? Bah, en même temps, moi, si une meuf, elle me regarde mal, je la tape direct. Ah ouais, je m'en bats les steaks, comme une meuf, c'est la même. D'accord. Et puis surtout, pendant les soldes, des fois, il y a des meufs hardcore. Je les plante, moi, tu sais, avec mon talon de Louboutin, bam, dans l'œil, tu sais, bam. Viens là, l'œil. Oui, non, mais je voulais parler de la violence faite contre les femmes par les hommes. Pas entre femmes. Bah non, mais il y a d'autres sujets, t'es les animaux. On en parle des animaux. Tu vois, ça, c'est Chichou. C'est un petit croisé avec un chihuahua. Et bah, Chichou, tu vois, dans certains pays, c'est un plat national. Est-ce que les Chinois, ils mangent des femmes? Non. Tu sais, faut arrêter de nous saouler, genre, les meufs sont des victimes. Victimes de quoi? De la mode, tu sais. Non, mais vous regardez quand même bien les journaux télévisés, vous voyez bien ce qui se passe. En Syrie, en Afghanistan, enfin, même chez nous, d'ailleurs. Hein. Non, mais moi, je regarde pas les infos. Ça sert à rien, c'est que des mythos, tu sais, genre les Illuminati et tout. Après, en vrai, c'est vrai qu'on m'a déjà dit, il y avait des queutres chelous, genre, dans des pays, il y a des lapidations, l'excision. L'excision. Ouais, c'est la même, c'est... mais bon, on est en France, donc... s'en bat les steaks, quoi. Et le harcèlement de rue? Le harcèlement de rue, bah, ça existe en France quand même. Vous le subissez, vous, parfois? Bah non, t'as vu, là, je suis en jupe, il n'y a pas de galère, tu sais. Bam, dans l'œil, t'appelles un Uber, c'est tout. Et si vous n'avez pas d'argent pour payer le taxi? Je sais pas, je reste chez moi ou en jogging. Et mais en même temps, si t'as pas d'oseille pour payer ton taxi, c'est que t'as raté ta vie. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je l'aime bien, Trump, en vrai. Parce que lui, c'est un businessman, tu vois, il a tout compris, le Kemé. Ah ouais, il est OP. Vous êtes pas choqué par ses propos misogynes? Le fait qu'il soit pro-life? Bah moi aussi je suis pro-life, moi je suis trop pour la vie. Moi je kiffe aller en boîte, m'amuser, sortir avec des cums et tout. Moi je suis pour la vie de ouf, bien sûr que si. Eh oui. Et donc si vous tombez enceinte... Bah j'avorte, elle est folle. Donc vous êtes quand même d'accord avec l'idée que les femmes doivent disposer de leur corps. Donc ça fait de vous un peu une féministe. Ah ouais non, ah non pas du tout, non féministe non. Non ça c'est à l'ancienne ça. Aujourd'hui il n'y a plus besoin. Mais là ça sert plus à rien. Ah non mais c'est pas mon Dels moi. Féministe et tout, non. En plus, en vrai, moi, franchement, je préfère être un cum. Ah oui, pourquoi? Bah parce que c'est plus facile d'être un mec que d'être une meuf. Allô. Eh oui. Donc, vous êtes d'accord avec le fait que les femmes aient besoin d'être défendues, peut-être? Non? Waouh, comment tu m'as saoulée. J'ai nettoyé les oreilles parce que là, waouh, elle s'est tombée, quoi, la meuf. Pendant que Sandy Mizo nous évoque son point de vue tout à fait passionnant, en France, une femme meurt sous les coups de son mari tous les 3 jours et une femme sur 5 sera victime de viol. 53 000 femmes auraient subi des mutilations sexuelles comme l'excision et 216 000 femmes sont encore victimes de violences physiques ou sexuelles chaque année. Oui, en France, où l'écart salarial est toujours de 23,5%. Tandis que dans le monde, 9 pays autorisent la mort par lapidation des femmes et que des milliers de petites filles se retrouvent non scolarisées, mariées de force et sans accès aux soins les plus élémentaires parce que ce sont des femmes. Malgré tout, face au déni et à l'indifférence crasse devant tout ce drame, même Sandy Mizo ne mérite pas qu'on lève la main sur elle. La beuh dans ma chicha, la beuh dans ma chicha, la beuh dans ma chicha. Ah ouais, ils sont messieurs. Ils sont messieurs.